Salut à tous les supporters du Real. On apprend que Benzema est reconnu coupable dans l'affaire de match de la sextape de Mathieu Babouena après l'ouverture de l'enquête et un mois après la fin de son procès comme tentative de chantage. Les mensonges et sa proximité avec Karim Zenati, son ami d'enfance, ont été reprochés à Benzema qui a écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis et de 75 000 euros d'amende. Son avocat, Maître Sylvain Cornier, a déclaré appel s'impose car Benzema n'a rien à se reprocher. Il sera innocenté et a été clairement énoncé par le tribunal que Benzema n'était pas au courant des manœuvres préalables. On est assez sidéré car par ce jugement, l'appel s'impose parce que Benzema n'a rien à se reprocher, il sera innocenté à hauteur de cet appel. Tandis que Thibaut Courtois, le gardien du Real, qui n'a pas été nommé dans les trophées The Best pour les gardiens, au profit d'Alisson Becker, Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy et Kasper Schmeichel, n'a pas été étonné de son absence et a déclaré: pour moi, les trophées collectifs sont plus importants que les trophées individuels. Je préfère gagner la Ligue des Champions et le championnat cette année. Je ne suis pas trop surpris pour les noms de ne pas être nommé pour le trophée The Best. Après tout ce qui s'est passé il y a un mois et certaines de mes déclarations, je sais ce que je vaux et j'ai la reconnaissance des joueurs et du club. C'est le plus important. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison et il avait raison de pousser le coup gueule en disant que la troisième place de Ligue des Nations ne servait à rien. Car l'UEFA fait ça pour les sous. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend aussi que le jeune hispano-marocain, Alomar, qui est rentré avec le Barça face à l'Espagnol Barcelone, aurait pu jouer au Real. Alors qu'il évoluait à 17 ans, alors qu'il évoluait au Nusik Maneska, Madrid le voulait et d'autres équipes d'Europe étaient intéressées, mais il a choisi d'aller au Barça. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.